Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total Rome Remastered. On poursuit notre campagne avec les Julies, nous sommes au quatrième épisode. On essaye de bâtir notre territoire et de nous étendre contre les Gaulois et aussi les Germains qu'on a tapés. Et là on va essayer de poursuivre notre attaque. Donc, une de nos armées est en route pour condamner Redonum, qui est l'une des villes qui reste aux Gaulois. Et là on a une de nos armées de renfort qui arrivera pour aider. Et on essaiera de faire une flotte aussi là-bas pour voir ce que ça donne. Donc là on est parti, je vais laisser... Alors mon Principes là je vais le disperser. Hop. Je me mets en route avec ce contingent là, je vais baisser mes taxes en faible. Au prochain tour je débarquerai mes régiments là-bas. Dans le doute, est-ce que j'avais fait tout fait là? Alors ça, non, on va le garder le temps 2. Bien. Hop. Oh, il n'y a pas grand chose en Belgique, c'est bon à savoir pour plus tard, pour l'instant. Donc là, dans 2 tours, on est à Condaté. J'ai encore baissé mes taxes au minimum. Je vais aussi faire quelques vélites en attendant. D'ailleurs, je vais réparer les murs. Je vais également faire ça pour avoir enfin ma maison du gouverneur ici, à Massilia, pour que ça grandisse un peu. Hop. Là notre cohorte de Principes qui arrive en masse, ça c'est cool. Parfait. Au prochain tour la ville tombe. Et là on va tenter l'assaut final, l'assaut direct sur Alésia, ils ont pas de soldats. Ils ont pas de généraux, donc normalement ça devrait le faire. Donc ce sera pas Julie 3 mais 4. C'est un capitaine de cavalerie barbare, donc ça va globalement, ça devrait être gérable. Oh non, ils ont des archers. Oh non. Attention. Je vais tenter de défoncer leurs archers. Allez go, allez me défoncer ces forestiers là. Par les dieux, nos soldats ont bien travaillé. Ils se sont emparés des murs. Alors là le mur, il lui reste 2 coups à mettre. Parfait. Allez. Bon. C'est les épéistes à un moment les gars, faudra peut-être les taper, les tabasser jusqu'à ce qu'ils se calment. Une autre vague d'épéistes arrive, ok.
Attention là. Hein. Envoyer les mercenaires là-dessus. Bon, les toutous, on les a eus, c'est bien. Allez, go, on rentre dans le tas. Allez, on grignote. On l'a eu, le capitaine adverse. Bon, ça va. On a perdu 97 soldats, c'est très correct. On va servir. Alors, 9, 20, 10. Donc déjà tous les mercos. Hop, ça dégage. Donc là, on occupe Alésia une fois pour toutes. Dans l'autre armée, elle est en route. Donc là, on va recommencer à avoir une armée assez conséquente. Hein. Je sais plus si j'ai fait l'intro. Puissions-nous mettre fin à ce non, mais non, tu rêves, toi. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Aïe, aïe, les Britons, ils sont en masse là, attention. On va embarquer cet homme, il est où? Il est à Arétium. Lui, je vais le monter au nord, parce qu'on va en avoir besoin. Je vais rajouter aussi de la garde civile ici, pour maintenir l'ordre public. Toi... perdu une cavalerie, on va en faire une nouvelle. Eh, une balise, ça peut être utile, tu me diras. Et là, t'as toute la légion romaine qui est en route, là. Ça va envoyer du lourd. Je vais juste virer ce régiment-là, il me sert plus à grand-chose. Et là, une fois qu'on aura le port ici, on sera très bien, quoi. On va grignoter un peu de temps. Nous sollicitons votre aide. Ah non, tu te débrouilles avec les DAS. Hop, on va maintenir le siège ici. Par là, on va tout de suite se mettre en route. Je sais plus où elle est exactement, la ville doit être dans le coin, je crois. On aura une baliste en plus. Des archers romains seraient pas de refus. Tiens, ça pourrait avoir une donner une nouvelle dimension à nos forces.
Un barbare ici, on va l'embarquer en renfort. E4, on va les emmener à Yuvanum si jamais les Bretons décident de passer à l'offensive. Ouais, c'est vrai, ils ont fait. À l'époque, c'était déjà beau, la bande son, clairement. Réfléchissez. Tu veux vraiment taquer, vu comment tu te fais bolosser par. Réfléchissez longuement. Ah non, toi t'es le prochain, parce que là, je te prépare une petite surprise. Celui-ci n'existe plus. Oula. On va peut-être accélérer, hein. Il nous reste deux slots d'unité. Je vais embarquer un frondeur et un mercenaire. Il n'y a qu'une unité pour l'instant, ça va. On peut embarquer un barbare en renfort. Ouais, non, là je me méfie parce que j'ai une mauvaise surprise une fois avec une campagne des. Comment il s'appelle ? Avec les Sipis, la première tentative, je me suis fait abattre à un tour à cause de l'Egypte et je l'avais eu mauvaise un petit peu. Réfléchissez longuement. Ah, je te le déconseille. J'ai un mauvais souvenir, donc c'est pour ça que je suis un peu mécontent, tu vois. Donc là, ça devient bon. Est-ce qu'en Belgique il y a des choses à recruter? Non. Donc on va attendre avant de partir. Ah, on a trouvé Numens. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Oh, attends. On va se mettre en embuscade. On pourrait peut-être choper leur ville comme ça. Et là, on va les taper. Donc lui, ça servira à rien parce qu'il est bon aussi. Voilà. Là, on a toute notre cavalerie qui est prête à entrer dès que possible. Allez. Donc là j'envoie mes mercos, c'est de la chair à canon. Hein. On va se regrouper. Allez, on va le supplanter comme ça, on est bon. Allez, encore un seigneur de guerre en moins. On recule. Allez,
Alors maintenant on va flanquer. Allez, Splan. Parfait. On va juste asservir, on va pas être dégueulasse à ce point-là non plus. On va reformer nos troupes. Alors vous trois, on vous dégage. Magnifique. Hop, ça c'est good. On va faire d'autres là. Alors là on est bien défendu, là on est bien défendu. Est-ce qu'on peut faire aussi des navires ici? Ouais, on va faire des navires pour préparer notre invasion de d'une des villes en Bretagne. Alors, ouh, il y a du peuple là-bas. Là, on va commencer à préparer du très très lourd. Parce que, à mon avis, nos frontières, ça va être chaud patate. Voilà. Donc là, il nous reste encore 3 colonies. 1, 2 et peut-être 3, ça serait tout pile. Donc je vais attendre. Un survivant, ouais c'est ça. Le port de Palma, ça ne m'intéresse point. Alors je vais réparer ça, je vais faire un égout. Alors par contre, je vais faire peut-être un temple. Alors c'est en hommage à Jupiter ici. On va gagner le 10% comme ça. Hop. Oh, la cavalerie noble barbare, ça devient costaud ça. C'est pas mal du tout, là on est bien. Vous, en protection Yuvanum, comme ça là vous couvrez la cité. On va améliorer ça. Des murs ici, un marché là. Hop. Je vais faire des routes. Ok, ça devient intéressant. 12, 13, 14. Pourquoi pas, ouais. Ou alors je tente la moindre prise de risque. Alors les Britons, qu'est-ce qu'ils préparent ? Voilà les Grecs qui vont se faire démolir à terme. Hein. Cher ami. Vas-y. Je te demande même. Allez, 2500. Tu trouves ça toujours très généreux. Je te demande, allez. 3500. Une proposition voilà. Des plus généreux. Une alliance avec la City, ça nous aidait à l'Est. Ok. Derrière, je fais un temple, des routes. Ces deux écoutes Tesla en réserve. Oh, mon armée, elle pourrait débarquer là. Bon, on va déjà commencer par terminer les Gaulois pour être sûr.
Ouais, c'est ça le problème. Le Sénat, il a l'émission que je fais, c'est il y a aucune, il y a zéro cohérence. C'est ça qui est horrible, quoi. Elle est où l'autre cavalerie? Elle est là-bas, ouf. La porte de l'ennemi a cédé. Notre bélier a rempli son office. Aujourd'hui, les vieux nous sourient. Les murs ont cédé. Faisons entrer nos troupes. Attention! Unité! Unité! Par les dieux! Nos soldats ont bien travaillé. Ils se sont emparés des murs. Là, on est en train de pousser. Allez, go. Tabassez-moi tout ce petit monde. Allez, go. Ah, ils ont complètement laissé leur cavalerie s'enfermer. Oh l'erreur. Parfait. Allez, go. Et merde. Bon, bah, notre roi, il est mort sur une morconne, mais bon. Ah, le pauvre détachement, il s'est fait culbuter, là. Et rien, juste pour le principe, normalement... La Gaule n'existe plus. Ça, c'est une excellente chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ici? On va faire des égouts, des murs. Là, on va taper sa arma brevia pour conquérir la Belgique. Attends, d'où j'ai pas de bélier, t'es sérieux? Bon, on va déjà enfoncer la porte comme ça. Oh! Bon, bah, on a trouvé une bonne arme, hein. Ah, ça a touché, on dirait. Je vais tenter de viser les chars pour voir ce que ça vaut, ça.
Voilà. Si tu me dis qu'une unité de char retourne toute mon armée, là je crois au scandale. Ah bah voilà. Ouais, on peut boire ça. Bon, j'évite de dire le terme parce que j'ai pas envie de me faire dégommer, si tu vois ce que je veux dire, par rapport à la bienséance et tout ça. Faut pas le dire normalement, tu vois. Voilà. Donc, la Belgique, c'est au mois de juillet. Parfait. Logiquement, ça nous fait 14 colonies. On va rajouter des renforts à Samokrivokova en Belgique. Ouf, on a eu chaud. Ah, ça suffit un moment. Ah, quoique, ça arrange peut-être mes affaires si je fais ça. Oh, mais ils ont toujours pas pris la ville. On va peut-être faire tomber, pas forcément les Britons, mais on va faire tomber l'Irlande. Ça pourrait être rigolo. On va rajouter plus de trucs, plus de trucs. On va faire des routes ici. Là, on peut faire des routes. Allez, on va commencer à accélérer le développement routier en Italie. Alors, des murs, un port, des temples. Eh, si ça passe le truc en... Non mais t'inquiète, hein, mais je te le dis juste, c'est pour ça que je l'ai traduit dans mon sens, si tu vois ce que je veux dire. Réfléchissez longuement bah non. Avant de revoir. Et Lozère, donc là on va faire tomber Tara en Hibernie. Let's go. Voilà. Donc là, nos défenses, elles devraient être assurées, logiquement. Narbo Marsus, ça pousse. Bon, il y a cette armée, là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire des Principes? Eh ben, écoute, tu sais quoi? Dégage-toi. Donc là, on va avoir des murs. Je vais renforcer les routes ici. Le temple, je vais le transformer en temple de Bacchus ici. Alors je vais juste voir un peu le Sénat, ce qu'il me dit. Donc les Judis sont au-dessus de moi. Nous on est à égalité avec les Brutis au niveau de la popularité. Le dos droit, oui. Je crois pas que sur cette campagne j'ai fait de bataille auto. Je crois que c'est la première où je fais ça.
Ça me fait plaisir même si pas besoin. Bah bravo. Réfléchissez bon. Longuement. Au revoir. Va te coucher, toi. Ah, déçu Julius qui adopterait un nouveau. Bah, ce nouveau général, on va l'emmener à Patavium. Et juste pour le principe, on va se faire ce petit rebelle avant parce qu'il nous a couru toute la partie. On va aller le chercher. Alors, il est où notre ami ? Petit rebelle en moins. Tout homme se réjouira d'une telle victoire. Nous avons gagné. Hop. Il y a toujours une unité de rebelle qui vient t'emmerder ou tu t'as pas envie. Victoire. Ça c'est fait. Maintenant on va achever je pense cette campagne avec la prise de Tara en Irlande. Mené par Decius Julius. Ah, ils ont des druides, attention. Bah, juste à défendre. Et des fois, elle intervient quand il y a une faction romaine qui a menacé, par exemple. J'avais fait ma campagne avec Carthage avant, tu vois. Et ils ont envoyé une partie de leur force nous attaquer. Pour suppléer les CP parce qu'on prenait leur dernière ville avec Capou et tout ça. Qu'est-ce que vous me faites vous? Les druides ils sont là-bas ou pas? Donc la porte c'est fait. La porte de l'ennemi a cédé. Notre bélier a rempli son office. Aujourd'hui, les dieux nous sourient. Les murs ont cédé. Faisons entrer nos troupes. Allez, là on va taper. Nos soldats ont bien travaillé. Ils se sont emparés des murs. Là l'Irlande. Hop. Qu'est-ce qui reste encore? Deux détachements, ok. Voilà. Voilà. Bon, bah logiquement c'est la dernière. Succès des bruits, petit César. Allez, pour le principe, pour fêter la fin de la campagne, on passe la population de Tara au fil de l'épée. Votre victoire est digne d'un vrai Romain. Les Julies apprécient pleinement le spectacle de la déchéance des barbares gaulois vaincus et réduits en esclavage. Un tel triomphe mérite célébration. Vous continuez à jouer? Oui.